Marseille lui habitait depuis 30 000 ans, les peintures de la grotte Kosker l'attestent admirablement, ne pouvaient devenir d'un seul coup grec. En mars 1845, un certain Allègre, maçon de profession, consolidait les fondements d'une vieille maison, près de la Major. Soudain, son regard fut attiré par une pierre à la surface polie et chargée de caractères à lui inconnus. Connue aujourd'hui sous le nom de Tarif de Carthage, le règlement religieux qu'elle transcrit parut apporter la preuve que des cultes phéniciens étaient pratiqués à Marseille. Dans son livre « Détruire le mythe de Marseille grec », Gabriel Chakraï soutient que la fondation de Marseille serait l'œuvre des Phéniciens, peuple originaire du Liban actuel, et se situerait entre celle de Rome, -753 avant la venue Jésus-Christ, et Carthage, -820, là où l'historiographie la place vers -600, affirmant qu'elle a été bâtie par les Grecs arrivés de Phocée, l'actuelle Turquie.